Pendant 25 ans, les visiteurs de Nausicaa sont entrés par ici, côté plage, par cet escalier qui semble aujourd'hui bien petit. Car demain, pour la réouverture du Centre National de la Mer après la fermeture annuelle, c'est par le parc et cet escalier majestueux que se fera l'immersion dans ce qui sera en mai le plus grand aquarium d'Europe. L'entrée de Nausicaa se raccorde ainsi à la ville et à l'Axoliane. Nous avons pris le prétexte de l'extension de Nausicaa pour réorienter Nausicaa, pour réaménager tous les abords, pour faire de la promenade du port une promenade piétonne et pour faire que les touristes soient invités à découvrir la ville. Dans le hall ultramoderne et pour l'instant dépouillé, on s'active aujourd'hui pour terminer l'installation des caisses sous la nouvelle entrée de l'exposition classique. La boucle du grand bassin n'est pas accessible avant l'inauguration, mais déjà, le sentiment d'immensité est réel, même côté boutique. On est déjà dans le Grand Nausicaa, et ça c'est important, et on voit le souffle que ça donne, parce qu'on a vraiment une entrée très prestigieuse, un hall magnifique. Et alors, il va falloir que ça vive tout ça, hein, puisque là, pour le moment, il est très nu, évidemment, mais petit à petit, il va y avoir de la signalétique, des éléments qui vont venir s'ajouter. Et finalement, ce grand hall sera très utilisé. Il faudra encore rester patient pour voir le reste, encore 3 mois, mais la pression commence tout doucement à monter.